Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On va les prendre. Hein. On a la transformation. On a le couple. On a le choix. On a la guérison. Si là tout de suite je dois choisir quelque chose, je nous choisis, donc je choisis hein, de construire une relation avec toi. On a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, c'est. On a l'impression que c'est une personne qui. Il y a deux choix, tu vois, mais pour moi, les deux choix, ben, c'est comme si c'était un seul choix, mais pour moi, deux étapes, tu vois. Toi, j'ai vu que t'es le genre de personne, tu vas me dire guéris, reprends-toi, prends du temps pour toi, et puis après ça, tu vois, on parlera de notre relation et de toutes ces choses, mais moi j'ai envie de faire différemment. Peut-être que toi tu te dis je suis pas guérie, j'ai encore besoin de temps pour que je puisse me refaire et toutes ces choses, mais moi je me dis je suis bien, on peut partir, tu vois, sur une relation tout de suite. Moi, je me dis, en réalité, peut-être il s'est passé ce qui s'est passé pour moi dans le passé, tu vois. Donc, j'ai vécu des choses pas très nettes où oh, la personne s'est séparée, ça fait pas longtemps. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous essayez, vous voyez, de tempérer la personne et de lui faire comprendre que, oh, vas-y, mollo, tu vois, c'est faux. Oh, tu viens de te séparer ou tu viens de vivre, tu vois, des choses un peu complexes. Voilà, je sens, hein, de par ton énergie ou ta façon d'être, que tu as besoin de prendre un peu de temps pour toi. Bon, on prend un peu de temps pour toi, on n'a pas besoin, tu vois, de brûler les étapes, voilà, il n'y a pas le feu au lac, mais on a une personne qui n'est pas du tout d'accord avec toi, hein. C'est la personne en réalité qui je me suis séparée, bon, ça fait déjà un mois, nous-mêmes on peut repartir sur autre chose et toi-même t'es l'énergie, tu vois, c'est faux, t'es la force tranquille, la personne aime bien ça, mais la personne ne veut pas trop traîner non plus sur le chemin de l'amour, tu sais, c'est, attends, on a le passé et on a l'intuition, c'est vraiment ça. Et on sent en réalité que c'est quelque chose que tu ne cesses de lui répéter. Ouais. C'est la personne qui au début s'est dit, bon, peut-être c'est vrai, tu vois, bon, je dois faire preuve de sagesse, je ne dois pas aller trop vite, j'ai encore des choses à régler avec ma propre personne ou avec l'ex, tu vois, on ne sait pas, ça dépend, tu vois, des situations, mais je me dis, après, tu me répètes ça encore, tu me le redis encore, c'est que non, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Hein. C'est toi, hein. C'est soit en réalité toi-même là, tu ne veux pas fonctionner avec moi ou soit au contraire, je ne sais pas, pourtant moi-même, je n'ai pas l'impression, tu vois, d'être malade. J'ai pas l'impression en réalité de devoir guérir, mais on a une personne qui sait au fond. Tu vois, quand la personne se pose sur elle-même, la personne se dit non, c'est vrai, je suis vraiment pas bien, mais j'ai pas envie de rester dans cette énergie de pas bien. Tu comprends? Je veux passer dans une énergie de bien. Voilà. Je veux passer dans une énergie de bien, dans une énergie où, voilà, j'avance, je me construis, où oh, la chance me sourit. Moi-même, j'ai rencontré une personne bien. Alors tu me dis, attends, guéris, on va pas brûler les étapes, prends ton temps, tu faut. Même tu penses, je vais te laisser partir comme ça. Là. Si la guérison prend 3 ans, bien 1 an, tu vois, à se mettre en place, là, je vais te laisser faire ta vie pendant 1 an. Je suis malade ou quoi? Tu vois, c'est. Ouais. Attends. On a le bonheur, on a l'intuition. Et on sent en réalité, vous voyez, que si cette personne, elle réagit comme ça, ou si, tu vois, là, depuis quelque temps, elle essaie un peu de se révolter, c'est parce que c'est la personne qui se dit, non, je veux pas te mentir, je t'aime bien, mais je veux aussi que tu me laisses, tu vois, fonctionner comme j'ai envie de fonctionner. Ça veut dire qu'aussi, je me suis séparée hier, et que j'ai envie d'être en relation avec toi aujourd'hui, laisse-moi faire, tu verras en réalité, tu vois, que je gère. On a une personne, tu vois, qui n'arrive pas à voir de ton côté. Et c'est la personne, tu vois, qui n'a pas encore capté que c'est peut-être pas le fait de partir dans une relation avec lui ou avec elle qui te fait peur. Hein. Que la seule chose, en réalité, qui peut te déranger, c'est peut-être le fait que, voilà, j'ai envie que tu te sentes bien ou j'ai pas envie, j'ai envie de dire que tu décides de faire volte-face, tu vois, du jour au lendemain. J'ai envie de dire que tu puisses prendre du temps pour toi, en fait. Pour certains, vous n'êtes même pas égoïste parce que vous auriez pu vous dire « Attends, la personne me plaît, je fonce seulement, tu vois. » On a l'impression qu'en faisant ça, tu penses à l'autre. Tu dis « Mais non, c'est mieux que tu te répares, c'est mieux en réalité que tu te refasses un peu. » Et puis une fois que tu seras à nouveau sur tes appuis, ben voilà, là, on va passer du temps ensemble, on va parler, tu vois, un peu plus sérieusement et toutes ces choses. Ben, vous avez l'impression en réalité que c'est une personne qui se trimballe avec un fantôme dans sa vie. Vous lui avez fait comprendre, hein? Vous lui avez dit « Tu vois, il y a un fantôme. »
Il y a un truc, tu vois, qui te fait mal. Je sais, en réalité, c'est pas facile de se séparer. Peut-être vous-même, vous avez déjà vécu ce genre de situation, divorce et puis toutes ces choses. Donc, je sais que ça peut être compliqué. Je sais qu'on a besoin, tu vois, de temps pour se refaire, mais... Il y a une personne que ça fait douter, tu vois. Donc, c'est la personne qui finit par se faire tout plein de films et qui finit par se dire, peut-être elle veut juste pas fonctionner avec moi. Ou peut-être il veut juste pas fonctionner avec moi, puisque... À chaque fois, tu me dis, attends, patiente, des choses. Moi, je ne suis pas une personne trop patiente. Là, moi, je sens que ça fait déjà très longtemps que je patiente. Attends, au bout d'un moment, faut pas pousser la personne, tu sais. C'est. On a une personne, tu vois, qui dit être et qui pense aussi, tu vois. Elle le dit, donc elle te le dit à toi, mais elle le. Elle le. Je suis prête. Ou je suis prêt, tu vois, à partir sur quelque chose de nouveau. Je ne vais pas te mentir, hein. Mais j'ai vraiment cette sensation en réalité que tout ça, c'est pour ne pas te perdre, je vais pas te mentir. On a la personne qui, au fond, tu vois, n'est pas du tout. Moi, je suis pas sur mes appuis, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe à l'intérieur de moi, tu vois. Je me dis, est-ce que je vais me cracher? Est-ce que vraiment l'ex, c'est terminé? En fait, tu as raison, tu vois, quand tu dis que c'est une personne qui est en pleine transition, puisque c'est la personne qui veut te laisser entendre le contraire, mais c'est la personne en réalité qui a déjà vu que. T'es pas le genre de personne, tu vois, à qui on la met à l'envers. T'es pas le genre de personne, tu vois, à qui on cache des choses pendant très longtemps, puisque toi-même, tu as la capacité, tu vois, de voir au-delà des apparences. Donc, ça veut dire que ça fait un petit moment que tu fréquentes éventuellement la personne et que tu as réalisé qu'il y a un truc de pas net, tu vois, dans son comportement. Dis-moi ce que tu veux, il y a un truc de pas net. Ouais. On a une personne qui veut vraiment construire avec toi, mais au dépend de sa santé, on va dire ça comme ça, tu vois. Je veux vraiment, oui, faire des pas en avant avec toi. Par contre, je ne prends pas en compte le fait que j'ai encore mal, que peut-être des fois encore, je me demande est-ce qu'avec l'ex, ben, il y aura encore des possibilités. Mais ce sont des choses que je ne peux pas te partager. Pour cette personne-ci, avancer avec des doutes, des questionnements, ça fait partie du processus, tu vois. C'est normal, j'ai quitté la personne, ben, je me pose des questions. C'est normal, j'ai quitté la personne. Donc je l'ai encore dans la tête, mais la personne ne réalise pas en réalité que ben avec toi elle est un peu dans l'auto-sabotage, qu'elle ne fait pas les choses, tu vois, de manière convenable, qu'elle ne se met pas à fond dans la situation. En fait, c'est comme s'il y avait un fantôme entre vous deux, tu vois. Il y a même pas une personne physique, donc ça veut dire que l'ex n'est même plus dans les parages, mais les blessures, j'ai envie de dire, que lui ou elle transporte, ben, rejaillissent sur votre relation et t'empêchent, tu vois, d'être à l'aise avec l'autre. Et moi, mais j'aimerais que tu me fasses confiance, j'aimerais que tu arrives à voir que je suis guérie. La personne n'est pas guérie. Comment tu veux? Moi-même, tu n'es pas guérie, tu veux, je vois que tu es guérie. En fait, c'est difficile hein, aussi, hein, ce que la personne elle demande. Hein. Je ne veux pas te mentir, mais juste, je veux pas que tu t'éloignes, en fait. Tu vois, c'est ça, ça. Ne t'éloigne pas. Oui, peut-être. Bon, allez, donc si tu veux, donne-moi encore jusqu'à la période de l'automne. Dis-moi tout fin automne, début printemps, pour que je puisse être guérie. Mais continue à fonctionner avec moi. Mais continue, tu vois, à faire des pas en avant avec moi. Ne prends pas de recul, tu sais. Je veux guérir, mais à tes côtés. C'est comme si c'était toi, en réalité, tu vois, qui lui donnait la petite impulsion pour qu'il ou elle puisse guérir, pour qu'il ou elle puisse passer à autre chose. On a le nouveau départ, on a la protection, on a les blessures. Toi-même, tu es dans une énergie de protection avec cette personne, tu vois, dès le départ. Dès le départ, tu as tout fait, ou de par ton comportement, tu vois, ta façon d'être, ta façon de le ou la traiter. Tu as tout fait en réalité pour que cette personne ne se fasse pas davantage mal. Tu vois? Donc ça veut dire que vous avez entamé cette relation, tu étais dans, vas-y, on n'est pas pressé, t'inquiète pas, tu vois, t'as envie de prendre du temps pour toi. Toi-même, on sent, j'ai envie de dire, t'es pas dans le forcing, viens, viens, on se voit tous les vendredis, on sort tous les soirs en même temps, tu vois, c'est faux, on fait des choses, non? Toi-même, tu sais en réalité tempérer les choses, et même si toi, tu vois, de ton côté, tu peux être très attiré ou avoir très envie, tu vois, de fonctionner avec l'autre, ben, tu sais te maîtriser aussi, tu sais faire le nécessaire, tu vois, pour ne pas devenir une personne envahissante. Mais pour certains ici, on voit que vous ne voulez pas être un pansement, en fait. Et je crois que c'est ce qui est fort. Et je crois que c'est ce qui fait en réalité, tu vois, que cette personne-ci, elle ne veut pas te laisser partir, puisqu'elle a déjà compris en réalité que. N'importe qui aurait plongé, tu vois, à pieds joints dans cette relation alors que toi, tu le fais pas du tout, en fait. N'importe qui, en réalité, tu vois, aurait. On va forcer les choses seulement, tu vois, pour qu'on puisse fonctionner, toi-même, tu le fais pas.
Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est pour ça cette personne, tu vois, elle arrive à se dire peut-être c'est mon âme sœur. Alors peut-être la personne ne va pas verbaliser ça comme ça, je te l'accorde, parce que âme sœur, ce n'est pas un mot, tu vois, qu'on sort comme ça quand on parle avec les copains ou avec la famille, mais tu vois, c'est peut-être j'ai trouvé faux, peut-être j'ai trouvé la personne qu'il faut, peut-être c'est la personne, hein, tu vois, peut-être que Dieu m'a pas envoyé cette personne laborieuse, peut-être que faut, tu peux. Vous êtes en train de séduire une personne tout simplement parce que vous l'esquivez. Non, je te dis ça sincèrement. Vous êtes en train de donner envie, vous voyez, à une personne d'aller de l'avant, de régler ses blessures. Alors, plus vite que la norme, je ne vais pas te mentir, la personne veut régler ça vite, vite, tu vois. Mais tout simplement pour fonctionner avec vous, parce que, ben, enfin, tu aurais pu profiter, tu vois, de mes moments de faiblesse pour te dire, ok, moi, je bac seulement la personne, et puis voilà. Non, tu ne le fais pas. Et c'est quelque chose qui fait que t'attires, tu vois, son respect. C'est quelque chose qui fait, en réalité, ben, tu lui tapes à l'œil, en fait. Ouais. T'es en train de t'ancrer, tu vois, dans son cœur. De toi-même, tu prends une place dans la tête et puis dans le cœur de la personne. Et puis, oh, cette personne, Bernadette, a bien se tenir. Hein, je ne vais pas te mentir. Et même si Bernadette, tu vois, essaie de se présenter avec sa grosse tête, nous-mêmes, on ne sera pas sur ça. Puisque on a trouvé une personne, tu vois, qui aime les cœurs et pas une personne, tu vois, qui aime ce qu'on peut lui apporter, en fait. C'est. T'as une façon bien à toi d'aimer ou une façon bien à toi, tu vois, de t'occuper des autres. Et c'est ce qui fait que tu es en train de voler le cœur d'une. On ne peut pas dire voler, vous n'êtes pas des voleurs quand même, mais c'est ce qui fait que vous êtes. Oh, t'as visé en plein cœur. Non, je vais dire ça comme ça. T'as visé en plein cœur et comme tu es en train d'embarquer la personne, t'as même pas encore réalisé que tu l'embarquais, mais bon, c'est toi, tu fais ce que tu veux, tu vois. Donc, on a une personne qui travaille dur sur elle. Et tout simplement parce qu'elle est en contact avec vous. On a l'impression être en contact avec toi, c'est quelque chose, tu vois, d'hyper enrichissant. C'est quelque chose, tu vois, tu peux nous apporter un gros plus, tu vois. Mais juste de par ta façon d'être, en fait. C'est un truc de fou. Nous-mêmes, là, on a envie de te rencontrer. C'est quand on te rencontre parce que, oh, non, la personne identifie, j'ai envie de dire, que des qualités. Bon, peut-être tu lui as pas encore montré l'autre facette de ta personnalité. Mais je crois que. Quand on est ou quand on traverse, tu vois, des moments difficiles et qu'on rencontre des personnes comme toi, ben c'est. Tu vois, tu te dis, oh Dieu, existe vraiment, il y a des anges qui sortent du ciel pour venir sur la terre, pour venir. Oh, la personne me fait du bien seulement. Tu vois, c'est cet effet-là que tu fais aux gens. Et je veux vraiment que tu le gardes en tête, c'est hyper important, puisque que ce soit avec cette personne-là ou avec une autre personne, ben voilà, ça va bien ancrer, hein, ta vraie valeur dans ta tête que tu n'oublies pas. Ouais. Je dis ça juste comme ça. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine.